Je m'appelle Charles-Éric Bouchard, j'ai 20 ans. Je suis présentement étudiant en agroéconomie à l'Université Laval et je suis propriétaire de la ferme G2. C'est un projet qu'on travaille dessus depuis un an, puis nos poules sont rentrées depuis maintenant un mois et une semaine. Présentement, on a 20 600 poules à la ferme. C'est des poules qui sont en liberté dans un système de volière. Donc, ça amène vraiment un aspect différent de la production. Faut essayer de penser en fonction des animaux et non l'inverse. C'est sûr qu'avec un système en liberté, c'est super important d'être capable de jouer avec les différents paramètres, comme la lumière, la ventilation, pour influencer le plus possible le comportement des poules, pour être capable de les faire pondre dans les nids ou de les faire monter dans les systèmes le soir pour le coucher, et ainsi de suite. FarmQuest, c'est un logiciel qui est super utile parce que ça nous permet d'avoir accès à notre console à distance. On peut rentrer dans notre console, modifier des paramètres, regarder la température, puis faire des comparatifs avec la journée précédente. Un gros plus des contrôles agri-consoles, c'est qu'on est capable d'avoir tous les paramètres différents au même endroit. On peut jouer que ce soit avec les lumières, la ventilation, on peut voir nos balances, on peut planifier les soignages, tout dans la même console au même endroit. Puis on a accès à tout ça aussi à distance par Internet. Avec les consoles aussi, on a accès à des alarmes qui peuvent nous dire quand est-ce que la consommation est trop basse, trop élevée, s'il fait trop chaud dans la bâtisse, pour être capable de prendre des mesures correctives aussi à distance. On va nous envoyer des courriels au besoin aussi pour nous dire de vérifier qu'est-ce qui se passe sur notre contrôle. Donc, c'est vraiment un avantage. Ce qui est bien avec FarmQuest, c'est qu'on est capable de faire différents profils pour nos intervenants, que ce soit nos agronomes ou nos employés, pour qu'ils aient accès aux données de la ferme sans nécessairement pouvoir modifier les données et aussi avoir accès à certains types d'alarmes. L'arrivée des perchoirs automatiques est un gros avantage à la ferme. On est maintenant capable de peser une 50aine de poules par jour, tandis qu'avant, on pouvait en peser une 60aine par semaine. Donc, on est capable d'avoir une courbe de croissance beaucoup plus précise, puis d'ajuster notre alimentation en conséquence aussi. Je recommande un système comme AgriConsole. En 2016, c'est super utile pour les producteurs d'avoir accès à leur ferme sans nécessairement avoir besoin d'être là. Donc, c'est un gros avantage qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est sûr que le plus gros avantage, c'est de pouvoir gérer ma ferme à distance.